Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous, le journal sur Khamle SN TV. Bonjour à tous, nous ouvrons cette édition par le chef de l'État attendu à Thiès à 17h30 ce mercredi pour diriger une série d'activités, notamment un conseil des ministres et un conseil présidentiel sur le développement de cette région. Une visite qui permettra d'évaluer l'état d'exécution des engagements pris par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres délocalisé dans la capitale du Rai en 2014. Toujours dans le cadre de cette visite, le gouvernement annonce un programme d'investissement estimé à plus de 448 milliards de francs dans la région de Thiès, lequel budget devrait servir à financer le programme triennal d'investissement public 2014-2016. À cet effet, le président de la République va inaugurer l'université Ibader Thiam, puis l'école nationale des sapeurs-pompiers. Il va ensuite lancer les travaux de l'autoroute devant relier Thiès à Saint-Louis en passant par Tivaronne. Un mort et plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan du violent incendie survenu ce mardi à Yalar. Une dame nommée Maymouna Gueye a perdu la vie dans ce drame où 5 chambres ont été dévorées par les flammes. La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les causes de cet incident toujours méconnu. Sortie improvisée du leader de Pastef aux parcelles Zasséni, Ousmane Sonko se trouve nez à nez avec une foule complètement acquise à sa cause avec comme slogan « Noun Sonko la Nougom ». La visite du maire de Ziguinchor à son collègue des parcelles Zasséni, Djamil Sané, entre dans le cadre d'une probable coopération entre les deux édiles. Politique toujours à Djoubel, les militants de PASTEF condamnés à 6 mois avec sursis ce mercredi par le tribunal des flagrants délits de la région. Ils ont été arrêtés samedi dernier dans le cadre de l'opération Lumlombo pour la sensibilisation des primo-votants, les jeunes élèves en perspective de la présidentielle de 2024. Sur l'international, le bilan du séisme en Turquie et en Syrie dépasse les 9500 morts. Le président Erdogan a décrété l'état d'urgence dans les 10 provinces touchées par ce drame. La course contre la montre et le froid se poursuit pour extirper les survivants des décombres. En Turquie, 6957 corps ont été retirés des décombres selon l'AFA de l'organisme de secours turc et 2547 morts ont été dénombrés en Syrie selon les autorités et les médecins. Sport pour terminer, Mali Diagne signe son premier contrat professionnel en faveur du Riga FC, un club de première division Lettonie. Une aubaine pour l'attaquant sénégalais qui, selon le chargé des relations extérieures de l'avenir de Bakir, semble attaché à toutes les chances de réussir ce championnat. Il invite toutefois le nouveau joueur de Riga FC à plus de concentration et de sérieux dans le travail. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité à Khamle SN TV. Mesdames et messieurs, prochain rendez-vous d'information demain 9h. Merci de nous avoir suivis.